Ça n'arrête pas de merder là, j'ai mis une batterie à tout qui merde. Un en Christ, c'est pas compliqué. Un en Christ. Essentiel, essentiel, sensoriel. Vous comprenez pas. Ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que il y a 90% de votre cerveau qui sert à rien. Vous a électromagnétisé. Dark va dehors, s'il te plaît. Bon. De retour à le futur, finalement, c'était pas dégueu. Ils montent les tours, ils montent les trucs, ils montent le machin. J'ai un billet de 1$, on voit l'œil. Maçonnique, sa mère. Tu vois, le pouvoir par l'argent, le mensonge et la corruption. Qui c'est que tu crois que tu vas me dresser qui, là? Quoi? Je suis un sanglier, moi. Et en plus, je t'emmerde. Et je suis du cancer, je suis un crabe, je suis un tourteau. Au fait, 2008, quand les crabes ils arrivent en retard, tu leur perçais le cœur, tirais la languette, poète. C'est parce que si tu les jettes vivants dans l'eau bouillante, ils crispent, ils sont pas contents, ils perdent les pinces, ils perdent tout, tu peux pas le vendre. Compliqué le tourteau. Mais c'est le cancer. C'est là que je m'étais dit, et putain, si je crève le zodiaque, ben je vais couler. Et c'est là que, putain, j'avais prié papa du ciel et tout. Compliqué l'histoire. Le 1er janvier 2008, vers la 11e heure, c'était un lundi, m'est arrivée une grâce sanctifiante. Et depuis, j'élève mon esprit. Il n'y a pas de matière, il y a un gros merdier partout. Tu peux regarder, c'est toujours le merdier, de toute façon. Par contre, celui-là, j'aime bien. L'arrêtola de M'Khomri, retrait de la loi M'Khomri. En fait, moi, je suis pas de... Tu sais, c'est comme l'autre, il râlait après Dieu donné. Je suis pas du tout anti-peuple juif, je suis pas du tout anti-peuple musulman. Moi, je suis le pouvoir par, pour et avec les peuples. Par, pour et avec la force de l'esprit, vous serez les témoins. On va changer d'air et d'air. Bon, probablement, ils ont signé des accords avec des putains d'extraterrestres. C'est possible. C'est possible. Il faut bien préparer tout le monde à une insurrection pacifique. On dirait qu'on est dans le feuilleton V. On signe un pacte avec les extraterrestres, quoi. Mais c'est exactement ça. Télé de merde. Les enfants de la télé, ben, c'est devenu des merdes aussi, hein. Faut pas croire. Hein. À la trust, quoi. Vos idées sont fondées que par overdose de télé. Je ne peux que prêcher la déraison, la destruction. Bon, là, on y est. Téléphone qui chantait la bombe humaine, c'est l'arme de demain. Ben putain, c'est déjà l'arme d'hier. C'est même plus nucléaire, c'est molécule R. Vraiment, merde. 3 mois et 11 jours que je suis chef d'état d'âme, où il se passe absolument rien. J'envoie tout ce que je peux sur Téléternel, hein. C'est mon truc. Fils de Nus, si tu veux. Je voulais reprendre mon diocèse. Bon. Non, tu peux rien faire sans pognon. C'est une planète en foireuse. C'est comme l'euro million de l'auto. A été contrôlé sous huissier de justice. Maître en foireuse, mais tu le vois jamais, l'huissier. Il a été contrôlé où? Il était où, le mec? Plein de escroquerie mondiale. Bon, enfin bref. Le mec qui gagne, c'est les amis des amis. J'ai oublié mon fungicide, mais bah, c'est pas pour dire ça, moi je suis pas raciste, je veux pas cultiver. Mais c'est comme tout à l'heure, les papés, ils parlaient de Coluche, ouais, ils avaient tous les deux Coluche, ça. 70 balais, tu sais, étaient là les papés. Pas tu dis Dieu donné, alors le barbu il dit, oh moi j'aime pas Dieu donné. Oh. Et l'autre il dit, mais si, tu vois, il fait des trucs cool. Moi, j'avais intervenu, j'avais dit, intervenu, j'avais dit,
Et c'est marrant, il devait jouer au Sésamo, puis maintenant c'est un Pôle emploi. Bon, de rire. Ça sert à quoi tout ça? Vous faites vraiment que de la merde. C'est pas pour se critiquer, mais l'esprit du devenir de l'ensemble, vous en faites quoi? Ah ouais, ça remplit pas le frigo. Ah ouais, mais un petit peu pour tout le monde. Pas compliqué, s'il n'y a pas de riches, il n'y aura pas de pauvres. Et puis il n'y aura pas de voleurs. Tellement simple de quoi, les trucs qui brillent, les trucs ça vaut de l'argent, mais c'est de la merde. Les fourmis n'ont pas de fiche de paye et je vous emmerde. Les abeilles, vous les massacrez avec vos insecticides de mes couilles. Les moustiques, je leur fais la guerre, hein, au balai. Hein. Mais tu verras pas un insecticide ici. Hein. Même pas un fungicide, il n'y a rien. Tu vois. Par contre, j'essaye d'envoyer un film, bon, 20%. Je voulais dire un truc plein encore. Soit la batterie elle est un peu chargée. Soyez des astropotes, soyez éternels, soyez humanisme, enfin humaniste. Parce que j'ai dit il faut virer tous les non-istes et tous les non-ismes. C'est le seul parti. C'est pas à gauche, c'est pas à droite, c'est tout droit. Croyez-en ma bonne expérience de la vie. Depuis que je suis né, on m'a menti. Oh, la France, on m'a menti. On a profité de mon enfance pour me faire croire à une patrie. Tu vois le truc? Bon, Dark Vador, on dégage parce que je vais te prendre un coup de pied dans la tête là. Le mal, je l'emmerde. Moi, tu mourras pas avec ton pognon, tu mourras pas avec rien. Heureusement que malgré tout, il y avait les socialistes. C'est comme ça que je survis à la Cotorep. Mais c'est vraiment de la survie. Tu vois, là, je suis au mégot par terre. Mais je suis le plus riche du monde d'esprit. Je fais quand même crise de Nice, qui va devoir reprendre son diocèse. Bientôt, c'est fini, 17. Mais le mai 68, il sera bien avant le mai 2018, quand même. Ça va, faut avancer, là. Il y en a marre. L'histoire du cerveau primitif, cerveau reptilien, et puis la troisième couche, quoi. Oh. Je t'en fous de la dopamine dans ta gueule, moi. Qu'est-ce qu'il y a là? Et tout ça, c'est des recherches effectuées sur des cobayes. Je te dis que les laboratoires Bayer, ils étaient à 150 mètres d'Auschwitz. Comme ça, putain, j'aurais pas aimé être un gosse ou une bonne femme là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont dû morfler? Calculer le seuil de la souffrance. Bon, si on te coupe un bras, t'as beaucoup mal. C'est des bouchers. Vous êtes des porcs, en fait. Alors, c'est un problème. D'ailleurs, des extraterrestres incarnés. Voilà, c'est un problème d'incarnation. Bon, je sais pas comment je vais dire ça. Bon, les gens du pouvoir, ils en ont rien à foutre de personne. Ils te font du blabla à la télé. Apprendre la politique, c'est apprendre à mentir au peuple. Voilà, c'est pas compliqué. C'est comme ça, puis c'est tout. C'est des protocoles. C'est des protocoles, mon fils. T'inquiète. Nous, on prend le pognon et ils ont rien, de toute façon. Un petit peu pour tout le monde. J'avais même le papier de la Bible et tout. Bon, gros, voilà, c'est l'histoire entre le dualisme et l'individualisme. En fait, vous faites de la merde sur Terre. Oh, la belle Rolls. Oh, la belle Audi. Oh, la belle pute. Oh, le Boyach, oh, la bonne coque. Et à part ça, il y a quoi? Oh, la belle bite, oh, la grosse chatte avec des poils. Oh, hop. Bon, bah, si tu veux savoir, maintenant, je t'explique clairement.
Le trou du cul, c'est l'univers, et la chatte, c'est la galaxie. Bon, les PD, ils comprennent rien à l'univers. Bon, moi, j'aime bien avoir des... un univers qui se fait démonter en regardant la galaxie, tu vois. C'est des capteurs de points moraux. Donc. C'est pour ça qu'ils enlèvent les thyroïdes. Bon, vous n'avez rien compris à ce que je vous dis. C'est pas grave. J'accélère. Bon. Que je te dis, que je te le dis. Tu lis à venir dans les plis de l'anus des femmes. Quoi. Oh, c'est un 18 plis. Oh là là. Dis non à la galaxie du du tricératops. Faire attention parce que tu risques d'avoir un léger écoulement. Bon. Mais si je préfère un écoulevré. Oui, alors là, faut faire attention. Bon, 30%. Bon, mais celui-là, je vais le mettre parce que j'ai l'impression que. j'ai l'impression que c'est rigolo quand même. Essayer de faire comprendre aux cloportes, je sais pas. Formater de la vie. Aux disques durs, hein, qu'ils ont des disques durs, ils ont même plus des disques mous. C'est même pas eux qui pensent. Ils pensent par la télé, les tablettes, les machins. Je répète encore une fois, par la guerre, ils enlèvent l'esprit des peuples. Ok? Par les médias, ils enlèvent l'esprit de famille. Comme ça. Et par les cachetons, ils enlèvent l'esprit individuel. C'est plus comme avant. Avant, au moins, je sais pas, au départ, on te clouait. Bon. Après, t'allais au bûcher pour hérésie. Bon. Après, c'était la guillotine. Le fameux guillotin. Ça doit être la même époque que Big Machiavel. Enfin, monseigneur, pourquoi imposer les riches? Les pauvres sont beaucoup plus nombreux. Bon. Après, t'avais la chaise électrique. Ok. Et maintenant, ils te mettent sous cacheton. Les gens, ils marchent chez Robocop. Ils débranchent. Mais ceux qui ont fait tuer. Le mec, avec les ondes électromagnétiques, avec les cachetons, tu sais. Bon, le mec, il t'a tombé l'avion. L'autre, il t'a écrabouillé tout le monde. L'autre, il s'est fait péter 200 bombes. L'autre, je sais pas. Tu sais. Vous faites de la merde. Enfin, ou alors vous êtes collabo à faire de la merde. Ben, si c'est comme ça, moi je suis résistant et je vous emmerde. Moi, j'ai le rôle de Chris de Nice. C'est moi qui s'occupe de Télé Éternel. Ça a jamais gagné un euro. Mais j'en ai absolument rien à foutre. Et puis, si tu regardes mes films sur YouTube, eh ben, tu verras jamais une pub. Ils m'ont proposé de monétiser. Je m'en bats les couilles. Je fume mes 3 mégots par terre et je t'emmerde. Voilà. Voilà. Envoyé spatial pour T'Éternel. À bout, cognac, j'ai pas.